Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Primark et Camaïeu, mais ce haul se fera en deux parties. Il y aura la première partie Primark juste après, et ensuite la deuxième partie Camaïeu. Comme ça, ce sera les dernières soldes, mais un petit peu plus fringues, accessoires, etc. Pour vous, ce sera ma dernière vidéo solde, évidemment, hein, mes petits achats, voilà, mes derniers petits achats sans make-up. Donc, je vous laisse avec les vidéos. J'ai pris un manteau pour ma fille. Alors c'est sous l'influence de Ella, Ella Rayon de Soleil. Oui, c'est à cause de toi, mais elle le sait très bien. J'ai pris 7-8 ans, donc c'est pour l'année prochaine logiquement. Mais c'était vraiment une grosse promo. Au lieu de 25 euros, le manteau est passé à 10 euros. C'est un manteau d'hiver, vous voyez, avec la capuche, mout-mout, très épais. Voilà, il est très beau. En bleu marine, il existait moutarde et kaki. Bon, j'aime pas trop le kaki. Moutarde, il était très beau, mais je me suis dit que ma fille allait me le ramener noir, parce que vous savez comment sont les enfants, ils s'assoient par terre. Donc, on va éviter les catastrophes. Donc, j'ai pris bleu marine, qui reste une couleur basique. J'aurais préféré noir, mais il n'y avait pas. Et il a l'air vraiment très qualitatif. Et là, m'a dit que sa fille l'avait acheté, l'avait eu. Vous voyez, à l'intérieur, c'est tout mouté, là. Sa fille l'avait eu il y a 2 ans, il avait fait deux hivers. Donc si ça a duré 2 hivers pour une petite fille, je me dis que ça va être pareil pour ma fille. Donc j'ai pris plus pour l'année prochaine parce que j'en ai déjà acheté un chez Vermodé pour cette année. Et je pense que là c'est un peu grand. Mais je vais lui essayer, mais on verra. Mais sinon ce sera pour l'année prochaine sans problème. J'ai trouvé au dernier moment dans le magasin une petite veste aussi pour mon fils. Du coup là c'est pas pour l'année prochaine, c'est une veste en 4 ans je crois, 4-5 ans. Pareil à 10 euros au lieu de 14 euros, donc il y avait une moins grosse réduction. Mais c'est plus une veste un peu kawé pour le printemps, quand il commence à faire où il y a un peu de soleil, un petit peu de vent. Voilà, c'est plus kawé, c'est plus pour ce moment là. Et je l'aime, je l'ai trouvé très sympa en bleu marine comme ça. Il va être très beau dedans, donc c'est une promo sympa quand même. Pour ma fille en promo, je lui ai pris un legging noir comme ça en taille 5-6 ans à 3 euros au lieu de 7. Donc ça, c'était une sacrée promo. C'est un legging avec des petites poches, mais en plus, il est quand même assez épais. Je pense qu'il est assez qualitatif. Ça, je suis contente de lui avoir trouvé parce qu'elle a pas beaucoup de pantalons. La pauvre, elle grandit tellement vite. Je me suis repris des petites chaussettes à 3,50 € les 5 paires, des basiques, hein. Et ensuite j'ai pris que des accessoires, donc à 1 € au lieu de 3 €. Donc ça, je suis contente d'avoir, c'est grâce à Ella d'ailleurs, c'est Ella qui repère toutes les promos, hein. Ella est trop forte, hein. Donc ces petites oreilles de chat noires avec des petites paillettes, elles sont très jolies d'ailleurs celles-ci. Celles-ci c'est plus pour moi que je les ai prises, et j'ai pris celles-ci pour ma fille, mais elle les aime moins forcément, elle a le même goût que moi ma fille. Celles-ci en rose avec des gros diamants, pareil 1 € au lieu de 3. C'est comme ça, hein. Et pour ma fille, pareil, à 1 € au lieu de 3, j'ai pris un gros serre-tête comme ça. Je sais pas si vous le voyez, avec les espèces de nœuds en rose pâle avec des petites paillettes. Ça, des petites paillettes argentées, j'aime bien. Je trouve ça très joli, vous voyez. Et ça lui va très bien, ce genre de forme-là. Donc j'ai hésité, puis là, ma convaincue m'a dit, mais si, c'est vrai que j'en ai pas de cette couleur-là. J'en ai acheté plein chez Action, un noir, un velours, un rose mais plus foncé. Et du coup, là, elle a un rose pâle. Pour ma classe, j'ai trouvé une petite trousse Harry Potter comme ça à 3,50 €. Donc il y a la petite trousse, le petit carnet, les petits crayons gris, les gommes, les trucs comme ça. Toujours pour ma boîte à cadeaux, bien sûr, séparée. C'était 3 € le lot, 3,50 €. Donc je trouve que ça vaut le coup et elle est quand même sympa cette trousse. J'ai pris pour 1 € le 3,50 €. Déjà c'était censé être à 2 € le 3,50 € là, mais c'est passé à 1 € en caisse, donc très bien. Et là aussi les a pris, je crois, c'est des blenders, les SD Beauty, donc des éponges blender. Je voulais tester, je les connais pas celles-ci, c'est une autre gamme de chez Primark, donc pourquoi pas. J'ai pris pas mal de petites choses beauté, hein. J'ai pris les fameux patchs là que vous mettez ici pour éviter d'avoir des chutes partout sur le teint. J'ai jamais testé. À 1,50 €, il y en a combien? 30. Donc ça va, hein. Je me suis pourquoi pas testé, hein, pour me lancer. J'ai pris des fossiles qui me plaisaient énormément. Je voulais absolument des fossiles comme ça. Des fossiles un petit peu en étoile, un peu, vous voyez, en petite pointe comme ça. Un peu dans le style de Marion Caméléon. Et je me suis dit, pour un petit make-up un peu artistique, ça pourrait être très sympa de tester ça. Au niveau make-up, j'ai pris un crayon pour les sourcils. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut chez Primark. J'avoue que j'ai pas trop testé. Il y avait des palettes qui avaient l'air sympas et tout. Mais n'hésitez pas à me dire si un jour vous voulez une vidéo crash test Primark ou pas. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pris un crayon à sourcils à 2,50 €. Il m'avait l'air pas mal. Je testerai. C'est les petits crayons fins, comme ça j'aime bien. Et j'ai pris 3 crayons pour les yeux parce que vous savez que je suis en mode j'adore les crayons pour les yeux en ce moment. J'ai pris un espèce de vert turquoise en bas. Un vert émeraude en haut et un bleu un petit peu plus foncé en métallisé. Ce sont que des couleurs métallisées, et avec ces 3 couleurs là, donc j'ai pris les 3, 1,50 € pièce, et honnêtement on les a swatchés avec Ella et ils étaient ultra méga crémeux et métallisés.
Ça, sous un maquillage, en fait, je mets ça en base et après je mets la poudre par-dessus dans les couleurs que je veux, dans les tons bleus. C'est très très joli, donc j'ai hâte de faire ça. Je vous ai promis un make-up bleu, ça ne serait tardé, ne vous inquiétez pas. Et pour finir, comme moi j'aime bien les espèces de gants démaquillants pour enlever l'huile quand je me démaquille le soir, j'ai acheté ceux-là, je les avais pas achetés la dernière fois chez Primark, j'en avais pris d'autres mais ils sont un peu rêches. Ceux-là, ils ont l'air tout doux, c'est des sortes de gants, voilà, à 3 euros les deux. Il y en a un rose et un blanc. Et ils ont l'air pas mal, donc pourquoi pas, ça j'aime bien, c'est vraiment des must-have pour moi, donc je suis contente d'en avoir. Et puis j'ai envie de tester ceux de Primark, pourquoi pas, ils sont beaucoup moins chers que Sephora et Yves Rocher, donc peut-être qu'ils sont bien. Voilà pour mes petits craquages chez Primark, vous me direz si vous avez craqué. Ce soir j'irai donc chez Camaïeu faire un petit tour, et peut-être que je vous ferai une vidéo Primark et Camaïeu. Je reviens donc pour la suite de mon haul Primark. Je vous avais dit que je passerais du coup chez Camaïeu. Donc j'ai craqué chez Camaïeu pour des petites choses. La nouvelle collection est pas trop mal. Il y a pas mal de pulls 100% recyclés avec une matière un peu laine comme ça, mais que recyclé. J'ai trouvé ça sympa dans l'idée, mais quand je les ai testés, ils piquaient un petit peu, donc j'ai pas pris. Mais j'ai trouvé deux sublimes pulls en solde et une écharpe. Logiquement, j'ai fait des photos, donc je vous les glisserai sur le côté. Mais j'ai pris un premier pull tout rose. Trop mignon, il taille très très bien, donc le col en rond comme ça parce que c'est ce que je préfère. Il a des petits points ajournés comme ça, des petits trous on va dire, pour que ce soit légèrement entre guillemets transparent, mais vraiment pas beaucoup. J'ai pris la taille 4XL, ça me va très bien, c'est même un peu large légèrement. Ce que j'aime chez Camaïeu, vous voyez les motifs ils sont trop trop beaux. Ce que j'aime c'est que les bras sont très longs et moi j'adore les pulls qui sont longs là comme ça que je peux prendre ici comme ça pour avoir bien chaud en hiver, voilà. C'est en ce moment mon mood, je suis méga fan des pulls comme ça et vous en avez quand même encore pas mal en solde chez Camaïeu. Je sais pas quand vous aurez cette vidéo si vous en trouverez encore en solde, mais sinon il y en a dans les nouvelles collections qui sont très sympas. Toujours dans le même style, donc celui-ci le rose pâle, il était à 20 euros au lieu de 30 et celui-ci était à 15 euros au lieu de 25, toujours en XL et c'est cette fois-ci une sorte de nude marronné, un très très joli marron clair beige. Et pareil, encore une fois, le même style de pull, hein, avec des petits motifs, un peu vieux pull, hein. Toujours, encore une fois, les bras très longs. Il est très bien taillé sur moi. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous mets une petite photo pour vous voyez. Mais j'aime beaucoup. Pour le printemps et peut-être pour cet été, j'ai pris un petit haut manche longue, le seul que j'ai trouvé. Un petit blanc. Moi, en ce moment, j'ai envie de trouver des petits hauts blancs. Et il ira bien avec... Enfin, tous ces vêtements iront bien avec la dernière pièce que j'ai prise, mais dans un autre magasin. Manche longue, matière très très douce, au lieu de 17 euros, ça c'est une sacrée affaire, au lieu de 17,99 il était à 5 euros. Alors, moins cher, je crois que je trouve pas, et j'aime bien le. Vous voyez les motifs là, au niveau du col, c'est très 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 joli, c'est très sympa, il est parfait aussi au niveau de la taille, très bien taillé. Et pour finir, je vous ai dit, j'ai pris une petite écharpe chez Camaïeu. J'ai craqué sur le côté un peu camel, comme ça, c'est encore la mode du camel. Hein. Il y en avait encore pas mal hein, de choses camel. Et voilà, je me suis dit, pour changer, j'ai une écharpe un peu rose là, qui commence à un peu ternir. Je me suis dit, voilà, ce petit style, ça ira très bien. Si vous avez un sac à main un peu camel, ça pourra faire une petite touche de rappel. Quand je fais des make-up un petit peu dorés, comme j'adore en faire en ce moment, même si là je suis dans des teintes roses, voilà, les make-up dorés et tout, ça fait très joli. Donc voilà, j'ai pris cette petite écharpe qui est très très douce. Rien à dire au niveau de la qualité chez Camaïeu, je suis plutôt conquise. Je suis quand même passée chez Grain de Malice parce que chez Camaïeu je peux pas forcément m'acheter des pantalons. Je trouve qu'au niveau de la taille, je suis un petit peu large encore pour les pantalons. Et sinon des fois ils sont un petit peu trop petits au niveau de la grandeur. Donc je suis passée chez Grain de Malice pour un pantalon et puis pour regarder les dernières soldes encore une fois. Et je suis trop contente, j'ai trouvé un méga pantalon, trop beau, en taille haute, c'est pas du tout soldé en revanche ce petit produit là, c'est une taille haute parce que, et vous avez, il est vraiment bien taillé je trouve, avec trois boutons au niveau de la taille comme ceci, il tient très très bien au niveau de la taille, et en plus de ça, il vous gaine un peu le ventre, mais sans serrer, vous voyez, il gaine, il vous fait des jolies formes, et c'est un pantalon tout simplement tout droit, hein, rien d'extraordinaire, il est... pile poil long pour ma taille, parce que moi je fais 1m76 et parfois les pantalons sont un peu courts. Là on va dire qu'il est pile poil long et c'est à une taille droite. Honnêtement, au niveau de la qualité du jean, elle est vraiment bien. Il y avait des noirs, des bleus clairs, là j'ai pris un bleu foncé. Mais j'y retournerai c'est sûr pour d'autres tailles dès que j'en aurai besoin. En solde, j'ai pris un petit t-shirt tout basique pour le printemps, l'été. Voilà, comme ceci, avec un petit peu de dorure là, en bas, en écriture. Et écoutez, tout simplement... 5 euros, alors je sais pas au lieu de combien, mais 5 euros déjà, je croyais que c'était pas trop cher. C'est une taille XL.
Et pour finir, j'ai pris un petit collant opaque de chez Grande Malice. Il paraît qu'ils sont bien en taille 5, logiquement. J'espère que ça va m'aller, vraiment. Elle m'a dit, oui, oui, ça va, vous allez, etc. Si ça va pas, vraiment, je vais aller là-bas, hein, parce qu'elle était sûre d'elle. Donc, comme moi, je suis grande et large, quand même, souvent, les collants, c'est ric-rac. En tout cas, si ça me va, ça sera cool. C'est une version opaque. Il existait aussi des collants gainants, couleur chair. Ça m'intéresse, si ça me va, j'irai peut-être en prendre parce que je me dis que ça peut être cool d'avoir ce style aussi de collant. Et pour ça, j'ai eu 15 € de réduction chez Grande Malice parce que j'avais pris la carte de fidélité, donc j'avais eu 5 € de réduction. Et pareil, j'avais cumulé avec un autre bon de 10 €, donc vraiment méga bonnes affaires. Surtout si vous prenez les cartes de fidélité, tout ça, gardez les bons, les choses comme ça, surveillez, zieutez, vous pouvez cumuler soldes, bons, ça peut être trop trop top. Donc j'ai fait de très très bonnes affaires. N'hésitez pas à vous à me conseiller des magasins. Je sais qu'il y a MS Mode maintenant qui est de retour un petit peu, il y a encore quelques MS Mode pour tout ce qui est grande taille, parce que moi je suis entre voilà, 46, 48 en pantalon et en haut je suis plutôt du L, XL ou 44. Donc parfois je peux m'habiller dans les magasins basiques et puis d'autres fois je peux pas. Donc n'hésitez pas à me conseiller des petits magasins. Où est-ce que vous allez pour vous habiller? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo, après avoir liké et vous être abonné. Salut !